première impression, surpris par les installations, par l'engouement qu'il y a ici en Turquie, les fans, le club, très content. Et je ne regrette pas mon choix et je suis vraiment très content, impatient de commencer la saison. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un grand club, c'est une très bonne histoire, on connaît la réputation que ça a dans ce pays, tous les trophées qu'ils ont gagnés, les fans. Et j'avais un petit besoin de ce changement aussi, parce que c'est vrai que je suis resté très longtemps à Tottenham et ça ne s'est pas passé comme vous espérez, mais c'est pas grave, c'est la vie, je ne regrette pas, je vis avec aucun regret. J'ai beaucoup appris, mais j'avais besoin de ce changement-là et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire en venant ici. Je suis excité, justement de jouer devant des fans autant passionnés, ça me fait penser un peu à Marseille. Parce qu'avant que j'allais à Tottenham, je jouais à Marseille et justement les fans étaient quasiment similaires, c'est-à-dire qu'ils étaient passionnés, ils vivaient le foot à fond. Chaque jour, c'était le football, supporter leur équipe. Et justement, ça donne envie aux joueurs de se surpasser et donner tout sur le terrain. Donc je suis très impatient de voir comment les fans turcs se comportent envers leur équipe et donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Comme tu l'as dit, je suis un joueur rapide. Qui aime bien dribbler, qui aime bien faire des beaux gestes, qui aime bien être dans la dernière passe. Et si je peux marquer, pourquoi pas, mais je ne me retrouve pas trop souvent devant le but. J'aime bien faire la dernière passe, mais si je peux en tout cas me décrire, comme j'ai dit, oui, j'aime bien provoquer, aller balle au pied, prendre l'espace, utiliser mon point fort qui est justement utiliser ce que je sais faire, c'est-à-dire dribbler, chercher l'adversaire et pourquoi pas être avant la dernière passe, c'est-à-dire une passe décisive. Je ne vais rien dire parce que ça serait un secret, donc ils vont le découvrir. Donc je ne dis rien, je le garde pour moi. Mais de faire attention parce que je pense que Beşiktaş, cette saison, a de quoi faire pour disputer le haut tableau et aller chercher un titre à la fin de saison. Oh, je n'ai pas de philosophie que je préfère. Je m'adapte à la philosophie du coach. C'est le coach qui décide et nous, les joueurs, on est là pour appliquer sur le terrain. Et en parlant du coach, justement, je sais que c'est un grand coach qui a une très grande réputation ici. Donc dans le pourquoi je suis aussi venu, parce que je sais qu'il a un bon style de jeu, c'est-à-dire garder la balle, une possession, un pressing haut, qui était un peu quasiment similaire un peu avec Tottenham. Donc je m'adapte facilement, je suis très calme, je ne parle pas beaucoup sur le terrain et je ne parle qu'avec le ballon, on va dire. À long terme déjà, puisque j'ai signé un long contrat. Donc mon objectif déjà c'est d'enchaîner les matchs, de prendre du temps de jeu, quand même c'est quelque chose que je n'ai pas fait assez longtemps. C'est de découvrir une nouvelle étape dans ma vie, c'est-à-dire le championnat turc que je ne connaissais pas, donc excité de le connaître. Et ensuite faire ce que je sais faire, c'est-à-dire jouer, apprendre, garder le sourire et aller de l'avant, tout simplement. Hi fans, it's George Kevin and Kodou. I'm very happy to be here and I hope you're gonna be doing a great season together. And let's do it. Come on, Beşiktaş.